Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur Forza Horizon 2. Donc je vais pas vous mettre d'intro parce que comme vous voyez c'est pour le DLC ou le c'est même pas un DLC, c'est un jeu à part. Je vous expliquerai tout après qu'ils ont incrusté dans Forza Horizon car ils ont fait un partenariat avec Fast and Furious. Donc c'est un bout du jeu qui est en rapport avec Fast and Furious 7 qui sortira le 3 avril dans les salles de cinéma. Donc là, je vais vous parler un peu, mais après je laisserai le jeu agir parce qu'il y a une petite cinématique en rapport avec Fast and Furious. Je vous laisserai le son pour que vous écoutiez tout tranquillement et que vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Je m'excuse déjà d'avance car j'ai vu dans la vidéo il y aura des petits bugs de rec, mais comme j'ai déjà fait ça dans le jeu, je peux pas revenir en arrière à part le désinstaller et le réinstaller. Mais comme ça m'a pris beaucoup de temps, je vais pas le faire, donc je vous laisse regarder tout ça avec ces images. Et la musique de Fast and Furious, bien sûr, qui est pas du tout mal du tout. Salut, c'est Tej. Écoute, je t'avais dit que je te ferais signe si je repérais quelqu'un qui pouvait... Max, il a débarqué... Voilà à tous, on se retrouve ici en conduisant cette Lamborghini Huracan. Donc, on se retrouve ici pour la conduire, 2 minutes. Comme vous avez vu, il y a la vraie voix de Tej qui est dans le film. Tej, c'est le Renoir là qu'il y a dans le film. Et il y a vraiment sa voix, donc ça fait plaisir qu'ils aient vraiment passé bien le partenariat et tout. Comme vous pouvez voir, la TH a un peu changé. C'est en bleu et tout. Donc c'est le même début que sur Forza Horizon 2. Ça c'est dommage, c'est-à-dire tu conduis la Huracan jusqu'à là-bas. En sachant que ces routes-là qu'on conduit en ce moment, après dans la map, ne seront pas disponibles. Pourquoi? Je vais vous répondre. Alors, déjà, c'est pas un DLC de Forza Horizon 2. C'est un petit jeu à part qui coûte autour des 10€ grand max. Sauf que jusqu'au 10 avril, c'est-à-dire une semaine après la sortie du film Fast and Furious 7 qui sort le 3 avril, elle deviendra payante. Pour l'instant, elle est gratuite. Donc, ce qui fait que même ils l'avaient annoncé, que les gens qui n'ont pas Forza Horizon 2 pourront y jouer. Donc dans ces conditions là, ils vont pas, ces voitures là, je sais pas du tout si elles seront disponibles dans Forza Horizon normal, Forza Horizon 2, excusez-moi, parce que moi j'ai acheté le jeu, je viens pour les gens qui l'ont pas acheté, pour essayer certaines voitures et tout, pour essayer le jeu pour après l'acheter, mais je sais pas si je les aurai disponibles et tout.
Donc c'est dommage parce que pour moi j'aurais bien voulu utiliser la chargeur RT et tout, mais je ne pourrais pas. Enfin si je pourrais, mais juste jouer là-dedans. Et donc ce qu'ils ont fait aussi, ils ont arrêté, ils ont coupé la map en deux, enfin un peu moins. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo si je ne l'ai pas montré dans celle-là, je me souviens plus exactement. Pour ça je ferai comme Storm Island, je suis désolé, Storm Island va passer en deuxième, passer plus long. Ça j'aimerais bien le faire avant que le film sorte. Vous voyez, je conduis comme une grosse brêle avec cette Lamborghini, parce qu'ils ont pas mes stats comme je joue d'habitude. En quelques minutes ou en quelques secondes, je vais même essayer de mettre pause pour voir si on peut changer. Mais je crois qu'on peut pas changer. C'est pour ça que je vais conduire avec la boîte manuelle automatique. Mais après, vous verrez, quand je prendrai la chargeur RT, ils vont nous... Je vais tout changer. C'est pour ça que, voilà. Et je conduis comme une merde. Mais quand je pourrai changer, vous verrez que ça irait un peu mieux. Alors, désolé pour cette pause. Vous verrez un peu moins de jeu. Donc, ensuite, on va jouer, on va aller là-bas, où ils nous disent... Bon, pour Fast and Furious 7, ça leur permet de faire l'argent. Microsoft aussi, à mon avis, mais bon, on va pas parler de ça. C'est vraiment stylé parce qu'ils ont, comme ils ont le partenariat, il y a les voitures des différents films. Vous allez entendre, en fait, le but c'est de prendre en main les autres voitures. Il y a une Toyota Supra de 1998, je crois que c'est ça la date. À mon avis, c'est la orange du premier film, Fast and Furious 1. Regardez, là ils nous disent de prendre la chargeur RT de Vin Diesel, franchement elle est magnifique. Ça m'a fait plaisir de la conduire, elle est vraiment puissante. Là le moteur modifié et tout, je crois qu'elle est même puissante que la... Je suis pas sûr, je vais pas avancer des trucs bêtement, mais je crois qu'elle est plus puissante que la... La Huracan qu'on a conduit au début. Vous avez vu là, Fast and Furious écrit et tout. Voilà, là non, je crois que je change les paramètres, je suis pas sûr. Désolé pour le bug, mais là vous pouvez voir avec quoi je joue. Ça change tout devant vous. Donc, il y aura la, comme je disais, donc il y aura la Toyota Supra. Je crois qu'il y a une Skyline, ça je suis pas sûr. Il y aura un Jeep blindé. Il y aura un Jeep blindé. La Dodge Challenger avec laquelle dans Fast and Furious 5, si je me trompe pas. Où elle apparaîtra à nouveau dans cette, une Challenger blindée là pour. Une Challenger blindée. Et il y aura d'autres voitures, il y aura la nouvelle Maserati, mais ça n'a rien à voir avec le film, je pense. Bon, il y aura des voitures de différents films. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré. La map, elle est plus petite, et comme vous pouvez voir, dans le jeu normal, c'est des plateformes pour modifier les voitures. Dans celui-là, c'est pas des plateformes, c'est des... C'est un garage qu'eux nous ont... qu'ils ont, et franchement... J'aime bien comment on change de voiture, vous verrez tout ça plus tard. Là je vais conduire jusqu'à la course, je vais faire la première course. Et ensuite on ira voir le garage parce que grâce à Forza Hub, c'est une application qui tu mets sur Xbox One. Je vous conseille vraiment de la télécharger, la Forza Hub, si vous pouvez. Parce que... En fait, Forza Hub, c'est une application de Forza, comme vous pouvez voir. Et selon votre expérience de Forza, de tous les Forza que vous avez joué, ils vous donnent des récompenses. Moi, la dernière que j'ai eue, c'est quand justement Fast and Furious est sorti, là, ce truc de Fast and Furious. J'ai gagné 2 200 000 avec une voiture. Ce sera une Lamborghini Huracan qui me donne juste dans ce truc-là. Dans Fast and Furious, dans les autres j'ai 2200 dans chaque jeu, c'est pas 2200 divisé en plusieurs parties. Et en gros, moi vu que j'ai un niveau pas trop sale, vu que je joue souvent à Forza, surtout les Forza Horizon, Horizon 1 je l'ai fini à fond, Horizon 2 j'ai déjà fait deux fois la finale d'Horizon, donc ça monte les niveaux, je gagne plus d'argent. À la base je gagnais que 500 000 quand j'ai commencé Forza Horizon 2. Maintenant je gagne 2 200 000 et j'ai un pote qui est moins élevé que moi, lui il gagne genre 300 000 l'autre jour il a joué. Ça nous aide vraiment pour acheter des voitures, des améliorations. Là je vais commencer la course.
Excusez-moi si vous entendez des gens derrière, c'est à cause du groupe d'amis. Moi aussi, je me saoule un peu, mais bon, parce que... Bon, je suis en groupe d'amis, un truc qui est sur Xbox One, et je sais pas pourquoi ils s'amusent à chanter, donc si vous voyez, si vous l'entendez sur YouTube, parce que j'ai déjà vu que des fois quand ils chantent comme ça, on l'entend et tout, vous pourrez bien vous foutre de votre gueule, sa gueule. Lâchez un com si vous trouvez vraiment qui... Voilà. Et c'est un gars qui est dans mon... Je crois qu'il est dans mon... Oui, il est dans mon clan, dans... je sais pas pourquoi j'ai confondu, mais... Et c'est des étiquettes commando, il est dans mon clan dans Call of, donc... Voilà, il s'amuse à chanter parce qu'il joue à Call of. Il voulait que j'aille jouer à Call of, sauf que moi je suis en train de faire ma vidéo. Et grâce à ce truc qu'on entend les gens du groupe d'amis, je pense que je vous ferai une vidéo avec des gens en dual commentary. Franchement, ce serait pas mal. Comme ça, vous pourriez entendre. Ce serait. Je pourrais le faire, comme ça on parle tous ensemble. Et ça fera plusieurs commentary. Enfin, deux personnes en commentary. Mais il faudrait que ce soit des différents jeux, pas que des Call of et tout. La course, comme vous voyez, je suis déjà premier, elle est très petite. Assez courte, c'est vraiment juste pour vous mettre dans le jeu, moi c'est que l'intro. Je vous disais, Storm Island va passer en secondaire carrément, parce que je peux vraiment pas y... Je peux vraiment rien faire parce que là il y a Fast and Furious, comme je vous ai dit, j'aimerais finir ça et hop, ça je vais tout filmer, tout ce que je fais pour vous montrer un peu ce que c'est, et j'aimerais que tout sorte avant la sortie de Fast and Furious. Si je suis un peu en retard, c'est pas grave. Là je me suis retrouvé, voilà, dans le menu, on va aller. Je vous montre un peu la map, comme vous voyez. Donc là ça s'arrête, alors que d'habitude il y a toute une autre partie à droite. C'est toute une autre partie à droite. Là-bas il y a des parties en Italie, mais là ils ont vraiment mis que la partie en France, parce qu'il y a Nice, c'est la ville la plus grande du jeu. Et là je vais aller au garage pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est dans l'autre, en fait, dans le garage de base, on choisissait la voiture, on pouvait pas vraiment... C'est pas... D'en choisir voiture, c'est... Comme on peut avoir des centaines et des centaines de voitures, on pouvait pas choisir comment on va choisir là-bas. Je vous explique une fois qu'on sera dans le garage, ce sera plus simple pour moi. C'est-à-dire, vous avez un menu avec toutes les voitures, vous les défilez, vous choisissez, et vous retrouvez en faire ce que vous voulez, la peindre et tout, dans le menu. Alors que là, je sais même pas si on peut les modifier, vu que le truc il est pas cher, c'est... Voilà, ils ont fait un garage comme ça, un garage spécial, où les voitures se garent et vous choisissez les voitures en les voyant. Les voitures en elles-mêmes, c'est pas un menu ATH, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Là, vous pouvez voir dans le tableau, si vous l'avez bien vu le tableau, c'est les voitures qu'on doit voler, et je pense que c'est un rapport avec le film, genre... Je sais pas si ça sera dans le film, ça aussi, de voler ces voitures là. Mais genre, si je veux, en fait, si c'est ce que je pense, genre on va faire tout ça. Et après, à mon avis, ce sera aussi dans le film de voler les voitures. Mais vous voyez, en fait, c'est ça, tu vois, on voit les voitures comme ça, alors qu'avant c'était un menu, quoi. Et j'aimerais bien que ce serait marrant, mais ce serait un peu salaud pour ceux qui n'ont pas la Xbox et qui ne peuvent pas se le permettre. Ils peuvent pas acheter ça, donc, et que ça, ce serait les préparatifs du film. Je suis pas vraiment renseigné sur ça, mais ce serait vraiment dégueulasse. Et là, je voulais aller dans la course, mais la course, je vais la faire plus tard pour vous mettre dans une autre vidéo. Là, normalement, je vais couper parce qu'ils m'ont offert un cadeau. Je crois que je vous l'ai déjà dit ce que c'était, c'est une Huracan. M'a offert un cadeau, donc là j'ai coupé, bon, je m'étais pris une voiture. Et là je vais rentrer pour voir, et j'avais pas vu ce que c'était, donc je suis rentré juste pour voir, et je vais vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une Lamborghini Huracan. Donc, j'ai vraiment trouvé ça si stylé avec les cinématiques et tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Fast and Furious Forza Horizon 2. Merci à tous, c'est Atomic Turtle, ciao, à une prochaine fois.